Salut à toutes et à tous, c'est Tiamax et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle analyse. Et pour ce 9e épisode de Random Book, on va parler du tant attendu Harry Potter et l'Enfant Maudit. La pièce de théâtre écrite par Jack Thorne, John Tiffany et J.K. Rowling. Le format de la vidéo va légèrement changer par rapport à d'habitude. En effet, pour ceux qui me suivent, vous savez que je fais des analyses très construites, c'est-à-dire je fais une synopsis dans laquelle je présente le livre, ensuite je dis ses points positifs, ses points négatifs et une conclusion générale, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, tout en essayant de rester le plus objectif possible. Mais c'est ça le problème là, l'objectivité. Le monde d'Harry Potter a tellement fait partie de mon enfance et de mon adolescence qu'il y a beaucoup d'affect sur cette saga. Et même en essayant d'être ultra objectif et méthodique comme dans mes autres vidéos, et bah finalement ça l'était pas parce que je minimisais les points négatifs et je maximisais les points positifs. Du coup, bah c'était totalement ridicule. Et plutôt que de vous proposer une analyse soi-disant constructive, mais dans laquelle on crame au bout de 2 minutes que je suis pas du tout objectif, je me suis dit autant changer le format de la vidéo juste pour cette analyse. Pour autant, est-ce que ça veut dire que je ne vais pas critiquer le livre? Pas du tout. Le format de cette vidéo va un peu changer par rapport aux autres, c'est-à-dire que ça peut être aussi construit que d'habitude, mais pour autant, je vais vous parler du livre, de qu'est-ce qui se passe dedans, et je vais donner mon ressenti dessus, c'est-à-dire je vais quand même dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. C'est juste, ne vous attendez pas à une vidéo aussi construite que d'habitude avec les points positifs et les points négatifs qui s'affichent à l'écran et très construit et tout. Pour ceux qui connaissent Margot Liseuse et les lectures de Nine, cette vidéo se rapprochera un peu de ce qu'elles font quand elles partagent un livre. Donc, de quoi est-il question dans ce 8e tome? Eh bien, on reprend l'histoire là où elle s'est arrêtée. Je vais vous rafraîchir la mémoire. À la fin du tome 7, on a un passage 19 ans plus tard où on voit Harry, Ron, Hermione et Ginny qui se retrouvent sur la voie 9 3 quarts avec leurs enfants qui vont à Poudlard. Et là, Albus, le fils de Harry qui rentre à Poudlard, lui demande qu'est-ce que ça fait s'il va à Serpentard parce que son frère arrête pas de le faire chier à ce sujet. Et là, Harry prend du temps pour lui expliquer d'où vient son nom, Albus Severus Potter, les deux personnes les plus courageuses, blablabla, et que Severus Rogue était à Serpentard et que c'était l'homme le plus courageux qu'il a connu. Du coup, que si Albus allait à Serpentard, que ça allait être très positif pour Serpentard et que ça sera tout. Et puis qu'au pire, on s'en fout parce qu'on peut demander au chapeau magique. Et là, c'est la fin du tome 7, fin finale. Et bien là, l'histoire reprend à ce moment-là, 19 ans après la défaite de Voldemort, lorsque tout le monde se retrouve à la gare. C'est le même fil directeur avec les mêmes dialogues, c'est juste un peu plus développé pour nous remettre dans le bain. La première partie du livre nous montre qu'est-ce qu'est devenu Harry 19 ans plus tard, un fonctionnaire du ministère. Et faut dire que ça fait plaisir de retrouver Harry Potter. Ça fait plaisir de voir son évolution, de voir ce qu'il est devenu, de voir sa nouvelle vie en gros. Malgré le fait que ça soit 19 ans plus tard, le personnage est grosso modo le même. Et ça fait plaisir de retrouver un personnage qui a à peu près les mêmes façons d'agir, les mêmes pensées, etc. Même s'il évoluait, on retrouve le Harry qu'on a connu et je trouve ça bien que Rowling ait gardé un Harry qui soit à peu près le même dans sa tête plutôt que d'inventer un Harry différent. Parce que du coup, il y a beaucoup de nostalgie et ça fait plaisir tout simplement de revoir Harry. Parallèlement, on voit l'évolution de Albus à Poudlard sous forme d'instants marquants de sa vie qui ont un impact dans l'histoire. Bon, c'est comme la linguistique française, c'est très barbare ce que je vous ai dit, mais en fait, c'est tout con ce qu'il y a derrière. Par ça, je veux dire qu'on va pas suivre Albus comme on a suivi Harry à Poudlard. Oui, on le suivait depuis qu'il allait à Poudlard jusqu'au moment où il le quittait à la fin de l'année, qu'on voyait son évolution pendant toute l'année. Là, on peut très bien voir Albus, par exemple, pendant sa deuxième année au moment de Noël, s'il y a quelque chose d'important qui lui arrive, ou alors si ce qui lui arrive est important pour la compréhension de l'histoire, ou tout simplement pour qu'on comprenne, par exemple, pourquoi il aura des attachements à certains personnages. Et ensuite, on pourra très bien le revoir au moment de sa deuxième année, quand il va rentrer chez lui, à la fin de l'année, au mois de juillet. Dans un sens, c'est bien, parce que l'histoire et la problématique s'étendent sur plusieurs années. Donc si Rowling aurait fait comme dans le Harry Potter, on se serait retrouvé avec un livre de 10 000 pages, et ça aurait été indigeste. Mais du coup, en tout cas, c'était pour ma part le cas, je me suis moins attaché à Albus parce que finalement on le voit qu'à quelques moments et les moments où on le voit c'est pas forcément les moments les moments où il est sous son meilleur jour. Du coup moi personnellement je me suis un peu moins attaché à Albus que j'ai pu m'attacher à Harry quand il avait le même âge. Mais du coup de quoi est-il question dans le livre? Eh bien tout d'abord sachez que les relations entre Harry et Albus ne sont pas aussi saines que nous le laisse penser la fin du set. En effet, Albus a sur son dos l'héritage de la gloire de son père, un héritage qu'il ne demande pas du tout à porter, qu'il doit pourtant porter.
et un héritage qui est dur à avoir quand vous n'êtes pas aussi doué que lui à la magie. Bon, d'autres facteurs font que leurs relations ne sont pas très saines, mais je vais quand même pas tout vous spoiler. Le passé va refaire surface. En effet, des personnes se sont sacrifiées pour Harry ou sont tout simplement mortes parce qu'elles étaient avec lui au mauvais endroit au mauvais moment. Passé qui revient avec le temps, avec l'idée de justice pour ses morts. Donc Harry va déjà devoir régler ce problème et c'est son échec qui va provoquer la suite des histoires. De plus, malgré la mort du Seigneur des Ténèbres, ses fidèles ne le sont pas pour autant, et ça présage rien de bon. Après, j'avoue aussi que j'étais un peu déçu par la résolution des problèmes et la fin donnée par Rowling. Elle nous avait habitués à mieux et là, ça fait un peu la fin facile de celui qui a pas envie de se creuser la tête. Je vais pas pouvoir tout vous expliquer là-dessus, sinon je vais à peu près vous spoiler la plupart de l'histoire, mais les solutions qui vont être utilisées par Albus et Harry vont l'être plusieurs fois, comme si Rowling n'avait plus d'idées et a dit « bon bah fuck it, je mets ça plusieurs fois parce que je sais pas quoi mettre à la place ». C'est un peu comme la fin facile d'un film compliqué où on sait pas quoi dire et du coup on dit « hey lol, c'était un rêve ». Bon bah là, dans l'impact, ça fait à peu près la même chose. De façon globale, ce qui m'a le plus déçu dans cette œuvre, c'est les facilités que Rowling utilise. Elle nous avait habitués à des personnages développés, à une cohérence entre les actions, à une saga mondialement connue pour sa singularité à tous les points. Après, comme je l'ai dit, ça fait vraiment plaisir de voir les personnages, et rien que d'avoir un nouveau Harry Potter 10 ans après, rien que de le voir dans les rayons, ça a dû mettre des étoiles dans les yeux à plus d'un. De plus, la thématique père-fils qui est abordée est plutôt intéressante. Mais certains passages, comme les problèmes de couple entre Ron et Hermione, font plus fanfiction que celui d'une saga mondialement connue. Beaucoup de personnes ont crié au scandale en disant que c'était une honte pour Rowling de sortir quelque chose qui, sur certains points, ressemblait plus à une fanfiction avec quelques incohérences plutôt qu'une suite attendue par des millions de personnes. Mais je pense qu'il faut pas oublier qu'à la base, c'est une pièce de théâtre. Qui dit pièce de théâtre dit temps limité. C'est pas comme l'adaptation filmique d'un roman où le scénariste et le réalisateur ont un roman de 800 pages où ils peuvent choisir les meilleurs moments et qu'ils ont un roman surtout très développé et qu'ils peuvent ensuite limer pour que ça tienne dans un film de 1h30, 2h. Là, c'est fait pour du théâtre, donc faut que ça tienne dans la durée conventionnelle d'une pièce de théâtre. Ils peuvent pas se permettre de passer plusieurs minutes, un temps énorme à faire des actions qui normalement en nécessitent beaucoup, comme par exemple la préparation du polynectar. Certaines personnes ont dit « What the fuck, le polynectar, il se fait en 2 minutes !» Oui, mais certes, il se fait en 2 minutes là, alors qu'en vérité, il se fait en beaucoup plus de temps, comme on le voit dans le tome 2. Mais dans le tome 2, c'est un roman, donc où elle peut se permettre. Et dans le film, ils peuvent se permettre aussi. Alors que là, c'est une pièce de théâtre, ils peuvent pas se permettre de mobiliser la scène pendant une demi-heure pour faire « Voilà, pendant 3 mois, ils préparent du polynectar. » Parce que sinon, au bout d'un moment, si les gens qui vont regarder la pièce de théâtre voient juste quelqu'un qui pendant une demi-heure met des ingrédients dans du chaudron en faisant du polynectar, bon, on se fait chier quand même au bout d'un moment. C'est une pièce de théâtre dont le script a été publié. Comme c'est écrit ici, le texte intégral de la pièce de théâtre. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour certains, et même que d'autres diront que c'est une excuse ridicule, mais je pense qu'il faut quand même le prendre en compte pour comprendre pourquoi certains événements sont comme ça et pas d'autre façon. Après voilà, mon avis global sur cette œuvre est plutôt mitigé. Comme je l'ai dit plusieurs fois, la nostalgie est très présente. Ça fait très plaisir de revoir Harry, très plaisir de revoir le monde des sorciers, de revoir Ron, Hermione, tout ça. Mais malheureusement, la nostalgie ne fait pas tout. Rowling n'a sûrement pas pris en compte que ses fans ont évolué avec son livre. Au début, quand elle le publiait, c'était des adolescents de 13-14 ans, et même après. Là, la plupart ont grandi, c'est-à-dire, moi, quand j'ai commencé à les lire, j'avais, allez, 9-10 ans, aujourd'hui, j'en ai 18, et beaucoup de personnes ont dû commencer à les lire quand ils avaient 13-14 ans, et aujourd'hui, ils en ont 25-30. Parce que du coup, certains événements ou certains personnages sont totalement tirés par les cheveux, et quand on a un peu grandi, qu'on a dépassé le cap des 10 ans et qu'on peut se faire enfumer dans un livre, on comprend très rapidement que c'est une excuse pour faire revoir tel personnage ou pour faire revoir telle action. Et du coup, c'est un peu dommage qu'elle n'ait pas pris en compte que son public avait évolué. Eh bien, je pense tout simplement que vous allez aimer ou non Harry Potter suivant votre position par rapport au monde d'Harry Potter et votre âge. Par là, je veux dire que si vous avez commencé à lire Harry Potter il n'y a pas très longtemps, et que vous avez, on va dire, entre 9 et 13-14 ans, et bah, vous allez pouvoir vous faire enfumer par l'histoire. Bon, c'est pas méchant quand je dis ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'à cet âge-là,
vous n'allez pas forcément vous rendre compte que certains passages ou certains personnages sont juste des prétextes. Vous n'avez pas encore ce recul par rapport à un livre quand vous le lisez. Si vous êtes dans l'histoire et si vous êtes pris par l'histoire et que vous êtes en mode « Oh là là, c'est bien, il y a tel personnage et tout », et bah vos émotions entre guillemets vont prendre le dessus et du coup vous n'allez pas forcément réfléchir à la qualité du livre. Après, si vous êtes comme moi, c'est-à-dire adulte, ou en tout cas que vous avez passé le stade où vous êtes capable de décerner quand il y a une couille dans un livre, et bah ça dépendra en fait si vous êtes fan ou non d'Harry Potter. Si vous êtes comme moi, c'est-à-dire fan incontesté d'Harry Potter, qui adore l'univers, qui a tous les films, etc., et qui est vraiment fan de la saga, et bah ça va quand même vous plaire un petit peu, faut quand même pas déconner. Même si j'ai critiqué sur certains points le livre, je l'ai quand même apprécié, j'ai énormément apprécié d'avoir un huitième tome, j'ai énormément apprécié de revoir Harry, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai énormément apprécié de revoir l'univers d'Harry Potter, Poudlard, la magie, etc. Après voilà, il y a certains points qui m'ont dérangé, mais disons que globalement, j'étais quand même content de faire cette lecture parce que voilà, c'est Harry Potter et que je suis fan d'Harry Potter. Ça veut pas dire pourtant que je décèle pas quand il y a des couilles, mais globalement j'ai quand même passé un bon moment. Ça m'a quand même fait plaisir de le lire et voilà, même s'il y a des défauts, j'ai quand même apprécié. Après, si vous avez passé le stade de je suis capable de déceler dans un livre quand il y a une couille et que vous n'êtes pas forcément fan d'Harry Potter, c'est-à-dire que vous appréciez mais sans plus, et bah je pense que vous n'allez pas forcément l'apprécier parce que du coup vous n'allez pas voir toute cette nostalgie relative à Harry Potter et du coup il y a plus les incohérences et les petits bugs qui vont vous sauter aux yeux et ça va plus prendre le dessus, du coup votre lecture va plus être négative entre guillemets. Ah oui, dernier truc, quand la pièce de théâtre est écrite par John Tiffany et Jack Thorne, hein, comme c'est écrit ici, une pièce de théâtre de Jack Thorne. Et bah ça sert à rien de mettre en gros J.K. Rowling, hein. On sait tous que c'est pas elle qui l'a écrit. Le marketing, s'il vous plaît, arrêtez donc cet auteur en dessous. Et puis en plus, on lit Harry Potter et après on va voir les Animaux Fantastiques, ça fait un petit combo plutôt sympathique. D'ailleurs, je parle pas souvent de films parce que ma chaîne est dédiée aux livres. Mais du coup, vu qu'on parle d'Harry Potter, ça fait un peu une passerelle. Si vous hésitez à aller voir les Animaux Fantastiques, je vous conseille d'aller le voir. Moi, j'ai vraiment bien apprécié. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas comme dans la pièce de théâtre où elle reprend les personnages et qu'il y a plein de passages, c'est un prétexte pour faire « Hey lol, vous avez vu, on parle de tel personnage qui est mort à un moment. » Là déjà, c'est avant Harry Potter et c'est totalement un autre univers qui est développé. Il y a évidemment la magie, etc. Et c'est vraiment cool. Et pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, il y a des petits clins d'œil par moment qui sont subtils, enfin subtils ou non, mais je veux dire, il y a des petits clins d'œil par moment à Harry Potter sans pour autant que ça soit... On fait soi-disant les Animaux Fantastiques, mais en fait, c'est juste un prétexte pour reparler d'Harry Potter. Là, franchement, c'est développé sur autre chose. C'est un... dans le film, ceux qui ont fait le film ont eu l'intelligence de faire un univers parallèle avec des petits clins d'œil, mais pas de faire un copier-coller et de faire quelque chose qui est un peu une excuse pour reparler d'Harry Potter. Et du coup, c'est vachement cool. J'ai passé un bon moment à voir le film. Et si vous voulez voir une critique plus développée sur les Animaux Fantastiques et avant d'aller le voir, je vous recommande la vidéo du fossoyeur de film qui sera là, ou là, suivant comment j'arriverai à la mettre au montage, qui est franchement pas mal, et d'ailleurs je vous incite à aller le voir si vous voulez revoir l'univers de la magie en film. Enfin voilà, c'était tout pour moi pour Harry Potter et l'Enfant Maudit, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir, à donner votre avis en commentaire, et pourquoi pas venir débattre avec moi en commentaire. Il n'y a pas de souci, ou même en message privé YouTube, c'est même plus souvent le cas qu'en commentaire. Il n'y a pas de souci à ce niveau, ce serait avec plaisir que je parlerai avec vous d'Harry Potter. Vous pouvez également aller voir les autres analyses que j'ai réalisées, vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir toutes les nouvelles analyses qui vont sortir, me rejoindre sur Twitter si vous voulez savoir l'actualité de la chaîne, notamment pourquoi des fois je fais pas de vidéo pendant presque un mois et qu'ensuite j'en sortir deux en une semaine. Il y a toutes les infos relatives à ça sur Twitter. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de réflexion de fin parce que j'avais pas forcément envie d'en mettre avec Harry Potter. J'avais vraiment envie de vous parler comme ça face caméra de mon ressenti face à Harry Potter plutôt que de faire une vidéo très construite comme d'habitude. Qui est là pour vous faire donner un avis, vous faire réfléchir. Là, c'était plus pour vous partager mon expérience sur Harry Potter. Du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse. C'était Tiamax, bonne journée, ciao.